voilà, c'est une Nazra, on est en train de dire un seul du Saint-Carvatanien, et on est en train de faire un peu de maraca, et ainsi de suite. Donc, on est toujours aux côtés des Touaregs, et le combat continue. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'appel de Nazra pour marquer notre solidarité avec le peuple Touareg en lutte. Vous le savez bien, depuis un peu plus de 2 ans que la lutte continue, malgré tout ce qui se dit dans la presse, tout ce qu'il y a avec, la lutte est là. Le peuple de la Zawa souffre malheureusement de l'armée malienne qui est en train de faire un génocide sur eux, et bien sûr avec le soutien de l'armée française qui est présente sur place. Normalement, l'armée française devait être là pour la paix, mais en réalité, ce n'est pas vraiment la paix. Ce qui les intéresse, on le sait depuis toujours, c'est leurs intérêts. Bien sûr, à leur côté, il y a Arriva qui drague le coin, et quand même partout en Afrique du Nord, et toujours pour leur intérêt. Les VMN, ils s'en foutent, ils n'ont rien à foutre de nous. Notre cause, ce qui les intéresse, c'est l'argent et les recherches du sous-sol de la Zawa. Voilà. La lutte, c'est toujours d'actualité. On a beau dire ce qu'on a beau dire sur le MNLA, mais il y a toujours le peuple de la Zawa qui se bat pour sa liberté, pour son autodétermination et pour une paix, bien sûr. Et comme on le sait, l'armée malienne est revenue. On le sait aussi pour l'armée malienne, les civils, c'est toujours plus facile de s'attaquer à d'autres personnes. Elle ne peut pas. Elle s'attaque toujours aux mêmes personnes. Ça veut dire les femmes, les enfants, les anciens, les civils. Voilà. Les civils, c'est toujours les civils qui traînent dans cela. Si aujourd'hui on est ici, c'est pour renouveler notre soutien et notre solidarité avec le peuple de la Zawa et pour dire à ces femmes, à ces enfants, à ces hommes qui luttent au quotidien, tous les jours, contre la mort. Bien sûr, la mort alliée, la guerre de basse intensité, elle se pratique beaucoup dans ces coins-là. Et en plus de ça, ils sont pris entre les feux, entre l'armée malienne, les militaires français, toute la coalition africaine qui est sur place. Et bien sûr, on n'oublie pas les groupes armés qui sévissent toujours, et toute la mafia aussi qui est civile dans ce coin-là. Et qui c'est qui prend, qui va, c'est les civils, c'est les femmes, c'est toujours les mêmes. Et aujourd'hui, on est ici pour renouveler notre soutien et on est à leur côté, et on l'avait dit dès le début, et on continuera à être à leur côté jusqu'à accéder à l'indépendance totale de la Zawad. Si un jour arrivera, bon, il faut avoir espoir et on continuera, puisque ça fait des milliers d'années qu'on existe, il n'y a pas de raison qu'on disparaîtra comme ça un jour ou l'autre. Avant de donner la parole aux gens qui veulent intervenir, on préfère lire une déclaration de Famazra qui est écrite spécialement pour ce jour-là. Merci et on donnera la parole à la personne qui va la lire, c'est Famila de l'association Famazra. Merci. Azouflaoum, je vais me permettre de vous lire la déclaration donc de l'association Famazra au sujet des récents événements et de l'actualité dans la Zawa. Entre le 16 et le 21 mai 2014 à Kidal, les militaires maliens, déjà responsables de plusieurs exactions visant les populations civiles touareg, tirent à balles réelles sur des manifestants, attaquent à l'arme lourde les habitations, annoncent une déclaration de guerre et attaquent les positions du MNLA, donc du Mouvement National de Libération de la Zawa. Face à ce coup de folie de l'armée malienne et devant le silence pour le moins inexplicable des forces onusiennes et françaises, le MNLA a été contraint de sortir de son cantonnement et reprend le contrôle de la ville de Kidal et de ses alentours. Très rapidement, l'armée malienne a été chassée de la majeure partie du territoire de la Zawa. Et il a fallu que les forces françaises s'interposent pour stopper la progression du MNLA vers Gao et Timbuktu. Ces mêmes forces françaises ont exercé une forte pression sur le MNLA afin de signer un accord de cessez-le-feu répondant ainsi aux vœux de Bamako, voyant son armée mise en déroute, renonce à la guerre qu'elle venait de déclarer. Ce nouvel épisode est édifiant à plusieurs titres. Il montre d'une part que l'État malien est incapable de tenir des engagements et de respecter des accords
combien même ces derniers lui sont concoctés en sa faveur. Ce même prétendu État, qui s'attaque à des populations civiles et des plus vulnérables, fait preuve d'une lâcheté exemplaire. Le Mali est tout compte fait une voyoucratie indigne de confiance. D'autre part, ces récents événements dévoilent au grand jour les véritables intentions de la France. Son parti pris pour le Mali est désormais assumé. En observant un silence de plomb lorsque les populations civiles touareg sont victimes d'exactions de la part des Maliens, la France se rend complice de ces violations flagrantes des droits de l'homme. La France est également complice et même instigatrice du plan d'occupation du territoire touareg par des entités qu'elle a créées en 1960. En cela, la France est indéniablement un obstacle empêchant l'accès des Touaregs à leur souveraineté. Enfin, nous déplorons l'attitude du MNLA. Si son attachement aux principes de loyauté et de probité promus par la société Touareg sont à son honneur, en contexte de guerre, l'intérêt national doit primer en toutes circonstances. En effet, la libération par le MNLA des prisonniers maliens arrêtés lors des combats du 17 mai, alors que les prisonniers Touareg croupissent dans des conditions inhumaines dans les prisons de Bamako, est pour le moins déconcertante. Sidérante l'est aussi la restitution du gouvernorat de Kidal aux forces onusiennes qu'ils remettront aux Maliens. Vigilance et fermeté doivent donc être plus que jamais de mise au sein de la direction du MNLA. Conscient que seule la libération totale du pays Touareg est à même d'assurer et surtout de pérenniser donc la paix dans cette région du monde, nous, organisation Tamazra, dénonçons l'acharnement de la France à soumettre le peuple Touareg à la domination des États supplétifs dans le rôle principal et d'assurer ses propres intérêts énergétiques. Tamazra reste déterminée à se battre aux côtés des femmes et des hommes Touareg, décidée à se libérer des jougs coloniaux et reconquérir leur dignité. Nous les assurons de notre indéfectible soutien. Aussi, nous appelons à la mobilisation générale des Imazighan afin de soutenir les Touareg dans leur lutte contre une coalition internationale décidée à les éradiquer par tous les moyens. Le pays Touareg étant partie intégrante du pays Amazigh, sa libération participe indéniablement à la libération de l'ensemble de Tamazra, qui reste notre combat et notre idéal pour la libération du pays Touareg. Vive Tamazra. C'était donc la déclaration de l'association Tamazra. Et depuis, on a récolté du mépris. Alors aujourd'hui, on veut leur dire assez, assez, ouvrez les yeux. Vous pouvez plus avancer avec nous qu'avec les régimes totalitaires, ces régimes terroristes, ces régimes arabo-islamistes. Voilà. Il y a une chose qu'on devrait se rappeler, et il faut que la mémoire, il faut se battre aussi pour la mémoire est très importante. En 2001, il y a eu un slogan en Kabylie qui a été marqué sur un mur, j'ai des super photos d'ailleurs sur ça, où c'est marqué « La rue, c'est le meilleur gouvernement. La rue n'a jamais tiré sur personne. » Ça, ça a été écrit en Kabylie. Aujourd'hui, pour notre ami qui parle de quatrième mandat, il va y avoir un cinquième on s'en fout au sein de Tamazra, je parle au nom de Tamazra. Je pense, et on pense, ce n'est pas dans les urnes que la lutte se mène, mais c'est dans la rue. Parce que dans un usuloir, qu'est-ce qui se passe? On s'isole et on s'enferme. Alors le combat est dans la rue, en mémoire de ceux qui sont morts en 2001, je pense que, et on pense, que la rue c'est le meilleur gouvernement, parce que la rue n'a jamais tiré sur personne. Et le boycott des élections, ici ou ailleurs, ça serait de pas. Aujourd'hui, on devrait tous prendre notre destin en main. On ne doit pas déléguer notre responsabilité aux hommes politiques qui nous mènent en bateau depuis des siècles. Ce n'est pas, c'est pas un phénomène nouveau, c'est connu. Au jour d'aujourd'hui, les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent entre eux comme une mafia, c'est une famille, ils sont restés à eux. On devrait prendre notre responsabilité et s'auto-gouverner et aussi prendre nos responsabilités entre nos mains. On ne devrait pas déléguer notre responsabilité à quiconque. Il n'y a que le peuple qui peut se faire du bien. Il n'y a que le peuple qui peut se défendre contre l'oppresseur.
et surtout avec tous les gouvernements qu'il y a dans Hamasra, on le sait comment ils sont arrivés, c'est des sanguinaires et ils ne donneront pas adopter, ils ne feront pas, ils n'auront pas pitié de nous, de toute façon ils n'ont pas intérêt à avoir eux. On ne demande pas la pitié, voilà. Alors les Éloirs, ça se passe ailleurs, mais je pense c'est pas ici, dans les Éloirs on s'isole. Alors merci, avant on vous invite à consulter la table de presse. Il y a la déclaration de Hamasra que vous voulez en prendre, la diffuser, la mettre partout. Et surtout, Paris, c'est l'un des plus grands villages berbères. Alors, il y a pas mal de cafés. Chaque personne qui peut prendre quelque chose pour passer l'information, c'est vraiment bienvenu. Et aussi, on n'a pas honte de le dire, une association vit avec ses adhérents. Il y a des bulletins d'adhésion ici, libre à chacun de choisir son association sur la scène parisienne, mais on vous invite à consulter notre table de presse. Et merci, et n'oubliez pas que la solidarité c'est une arme, c'est la seule arme qui nous reste, on devrait l'utiliser au maximum. Et merci à tous, et on peut encore rester un petit peu et voyager avec la musique, parce que dans toutes les révolutions, il faut la fête. La révolution et la fête fonctionnent ensemble. Merci. هيا عودي بفوت في وقت وانت بيالك في واحد شي شي.